essayer avec ma doigt. Qu'est-ce qu'il est trop clair.
Thank you.
Et plutôt que de rester au Beautaire ce soir, on vous amène dans les cours de récré. Tu peux écouter les gens qui se font du cinéma et qui nous font du cinéma. Moi aussi j'ai marché sur le bout et je connais les petits enfants. Les hommes leur caressent encore les connaît depuis qu'il a eu 14 ans. Et tu ne seras pas le dernier. Tu es jaloux, tu crois pouvoir m'aimer, mais tu ne peux que me penser. Tu peux m'appeler belle, mais je ne suis pas belle. Essaie de me comprendre. Yeah.
j'imagine qu'il y en a peu d'entre vous qui ce soir sont venus en train. Et pourtant, sur les quais des gares en Belgique, il se passe des choses vraiment étonnantes. Écoutez plutôt ceci. Yes.
Merci, bonsoir. C'est un morceau qui ne figure pas sur l'album, sur l'album. Parce qu'elle est une anglaise et... Merci, bonsoir. Bravo à vous. Bien jugé. Je me suis dit... J'ai pas su prendre mes j'avais pas cette lumière. Sinon, j'aurais... C'est normal que ça soit dans un travail.
micro. Et au mois de juin, les fêtes de la musique à connotation très rock, elles aussi, ont accueilli pas mal de monde. Et le rock à hâte, c'est aussi un groupe qui s'appelle Faits Divers, Faits Divers qui vient de sortir un premier CD. Alors, Carl Goss, Faits Divers, vous les suivez depuis quelques années déjà. Mmh. Comment est-ce que tout cela a commencé ? Faits Divers a débuté au début des années 80, comme beaucoup de petits groupes rock à hâte. Il y en avait pas mal, il y en a malheureusement de moins en moins. Et puis Faits Divers a sorti d'abord une première cassette que je crois beaucoup de gens ont oublié malheureusement, qui s'appelait Rock sur la ville, je crois. Et puis les années faisant, un premier 45 tours, Sacco e Vanzetti, un deuxième, La Cucaracha, la participation à quelques compilations, notamment une compilation qui s'appelait Nuit Blanche. Bien le dire, une période de blanc, une période d'arrêt depuis la fin des années 80, dirons-nous, début des années 90. Une période pendant laquelle ils sont rentrés en studio, pendant laquelle ils se sont adjoints les services d'Alain, un quatrième musicien. Et puis voilà ce qui vient de sortir, Entre désir et désert, un CD. Comment se fait-il qu'il a fallu à peu près 14 ans, je crois, pour sortir ce premier CD ? C'est loin d'être évident de sortir un CD, de sortir quelque chose de bien produit et de bien distribué lorsqu'on fait du rock. En Belgique, à hâte. Mais... Particulièrement à hâte ? Non, particulièrement en Belgique. Ça, il faut bien se mettre dans la tête qu'on est rarement reconnu par les Français, par le nord de la France. Il n'y a qu'à voir le bel exemple qui était Tissimatic, qui était un superbe groupe et qui n'a jamais eu le succès qu'il méritait en France. Mais c'est pas toujours évident de trouver les producteurs, c'est pas évident de trouver les distributeurs, puis c'est peut-être pas évident non plus de trouver l'argent. Pourquoi est-il si difficile de se faire entendre quand on fait du rock en Belgique ? Peut-être parce que les infrastructures ne sont pas là. Maintenant, peut-être parce qu'elles viennent et elles sont de plus en plus en place. On a quand même un bel exemple qui était le succès de Stella, qui est quand même le groupe belge par excellence et qui a bien fonctionné, qui a bien tourné sur la France également. Bon, Stella n'existe plus, mais ça n'est pas la faute du show business belge, je dirais. Mais non, les problèmes viennent avant tout de manque d'infrastructures, ça c'est évident. Alors ce premier CD reprend 9 nouvelles chansons de Faits Divers. Ton point de vue sur le CD ? Objectif ? S'il est objectif. C'est un excellent CD, très très bien produit. Le son est impeccable, le travail musical est très très bien. La critique de toute façon jusqu'à présent est très très bonne. Et qui plus est, ça n'enlève aucun charme, c'est en français quoi. Eh bien, Carl, je te remercie. Je vous propose tout de suite de découvrir ce groupe Faits Divers. Nous les avons rencontrés au festival de Dour, mais également dans le studio où ils répètent chaque semaine. J'imagine souvent ta fenêtre, papillon de nuit, je veux être. Quand la chandelle est morte, je viens du bout des ailes frôler ta porte. Oh. Oh. Je me noie dans tes yeux inconnus, croisés par hasard. De tous les fantômes que je touche, toi seul me donne l'eau à la bouche. Oh.
89, on a décidé de faire une pause pour réfléchir à la musique qu'on voulait faire. Parce qu'en fait, on tournait un petit peu beaucoup de trop. C'est là qu'on a décidé de chanter en français. Et voilà. C'est le mystère que j'aime en toi. Tu me connais, tu me condamnes. Je préfère connaître l'enfer des flammes. Entre 90 et 93, les membres de Faits divers n'ont plus qu'un seul objectif, la sortie de leur premier album. Entre Désir et Désert, son titre est évocateur des moments de déprime. L'oasis musical ressemble davantage à un mirage, mais Jean-Luc De Stella saura trouver les mots. Même si tu n'es pas celle que je crois, même si tu n'es. Dans la période désert, au moment où on était un petit peu down, comme ça. C'est lui qui nous a dit, mais les gars, il faut tenir bon, ça arrive à tout le monde, d'avoir des... Avec son côté. Ouais, voilà, des petites dépressions par rapport à la musique, en se disant, bon, ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas. Et c'est lui qui nous a dit, allez les gars, tenez bon, ça, il va se passer quelque chose. Par semaine, Jeff, Fred, Dukes et Alain se retrouvent pour répéter au studio First Floor à Bruxelles. Si les textes sont en général l'œuvre de la voix du groupe ou de son guitariste, les deux autres musiciens y amènent aussi leur touche musicale. Chaque titre enregistré est vraiment une affaire d'équipe. C'est une idée qui varie, qui bouge et puis qui aboutit par rapport à un texte, par rapport à un tas de trucs, quoi. Je veux dire, on peut pas dire, voilà, paf, la musique, c'est ça, quoi, non, impossible à dire. On travaille tous beaucoup chez nous aussi, hein, chacun. Non, pas chacun, je ne fais rien chez nous. Non. C'est nous, les trois autres, chacun, on en parlera tout à l'heure. En fait, on essaie de faire tout ce qu'on fait de la manière la plus professionnelle possible, mais on n'est pas professionnel au sens où on n'en vit pas à 100%, en tout cas actuellement. Au Rocamadour, près de Mons, Faits divers en est l'invité vedette. Mais la Wallonie n'a pas toujours été terre d'accueil. C'est en Flandre que le groupe a construit sa réputation en participant dès 86 à d'importants festivals. Et c'est sur la scène qu'il a affirmé son style musical à la fois puissant et mélodique. Il y a deux approches dans le groupe. Il y a d'abord l'approche d'essayer de tout faire le plus professionnellement possible. C'est vrai pour essayer de plaire au plus de gens possible avec la musique que nous avons envie de faire. Et il y a une toute autre approche qui est également, comme nous avons fait ici il y a quelques jours, un concert dans notre région avec des gens proches. On a un retour immédiat qui est très chaleureux. Et Faits divers, c'est ce mélange-là. On essaie à la fois d'avoir cette chaleur qui nous permet de tenir le coup, et tous ces gens qui nous suivent et qui nous accompagnent depuis des années. C'est tellement gai d'avoir à un moment donné un ami qui est là
en face de vous et qui vous jouez, qui est au milieu d'une foule, et puis de voir cette foule qui reprend, ce sont des gens que vous connaissez, qui reprennent vos morceaux et qui chantent en chœur vos paroles, ben moi c'est à pleurer. Baby, baby, won't you hear my plea? Oh, come on, baby, won't you hear my plea? She said, "Boy, see you, daddy, you'll never come and buy." En concert, Jeff et ses potes n'hésitent pas à reprendre, très bien d'ailleurs, quelques grands mythes du rock. Mais derrière des gueules de méchants loulous se cachent des rockeurs au cœur d'ange. Histoire d'amour, atmosphère de banlieue, les chansons du groupe sont actuelles et sensibles, pour ne pas dire poétiques. Si tu ne veux plus de moi, si l'amour s'en va, c'est pas la peine de remonter sur scène. Mais le matin me semble si loin depuis que tu es parti. Tu m'as laissé l'univers libre, affranchi de tes frontières. Mais sans toi, je ne suis rien que d'un désert. Et ce désert qui avance chaque jour un peu plus efface nos histoires et me laisse comme un enfant perdu. Je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens, on était même un peu fiers. Je me souviens, depuis il y a eu d'autres guerres, oui des guerres. Et notre matin, je me souviens de tout, de toi, de moi, du chien. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Quelques vieilles connaissances, presque des amis, ont cru que la maisonce ferait venir l'oubli. Aucun chagrin n'est éternel. Je verrai la fin du tunnel. Tu n'aurais été qu'une escale. C'est ça qui fait mal. Et ce désert qui avance chaque jour un peu plus, efface nos histoires et me laisse comme un enfant perdu. Je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens, on était même un peu fiers. Je me souviens, depuis il y a eu d'autres guerres, oui des guerres. Et notre matin, je me souviens de tout, de toi, de moi, du chien. Je me souviens, je me souviens.
Alors Karl, ce CD de faits divers, on peut le trouver partout? On peut le trouver partout. Il est distribué par Sony Music. Ça veut dire que chez tous les bons disquaires, il y a moyen de le trouver. Notamment chez les gros gros disquaires sur la Belgique comme les Fnac ou autres. Alors on découvre à travers ce CD un fait divers assez soft. C'est pas comme ça qu'on le connaît sur scène. Non, fait divers a toujours été beaucoup plus rock, beaucoup plus...